كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نادية حمدق رئيس مسؤولة على العلاقات الدولية بجامعة بني إسرائيل. هاد التظاهرة اللي كنظموها اليوم كتدخل في إطار برنامج أوروبي ممول بضرب الاتحاد الأوروبي، وهي تظاهرة حول نقل التكنولوجيا في مجال الماء والمياه. وهاد التظاهرة كتجمع ما بين أساتذة جامعيين باحثين وما بين شركاء في الجهة وشركاء اقتصاديين وكذا الجماعات المحلية و السوسيتي المجتمع المدني. أهداف هذا اللقاء وهو الخروج بمخرجات يتم من خلالها تكوين شبكة في مجال المياه متعددة الأطراف، والتي ستشكل كتلة كبيرة للمشاركة في البرامج الأوروبية وفي كل الفرص المتاحة لتمويل المشاريع البحث العلمي. لكم الكلمة أستاذي الكريم. شكرا. فيما يخص من النقاط الواردة في هذا اللقاء الهام الذي احتضنته جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكنس. هذا اللقاء دخل في إطار مشروع أوروبي الذي يهدف إلى دعم انتقال التكنولوجي بما تقوم به الجامعة وما يحتاجه المجتمع. Projet européen qui vise le renforcement donc des capacités donc des universités donc marocaines dans le domaine du transfert de technologies dans le secteur de l'eau. C'est un projet qui est financé par la Commission européenne et qui implique 7 universités marocaines et également des universités espagnoles et des universités grecques. C'est un projet également qui intègre l'Agence du bassin hydraulique de Sourd comme acteur et gestionnaire donc de l'eau, et également il implique la Chambre de commerce d'industrie et des services de Téton. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de créer un réseau de transfert de technologies dans le secteur de l'eau et qui devrait permettre en fait de développer des capacités dans nos universités, dans nos administrations, échanger et profiter des expériences des uns et des autres pour permettre un développement du secteur de l'eau, une meilleure valorisation de nos ressources en eau et également permettre aux universités de mieux valoriser leurs activités, leurs résultats de recherche en faisant donc des créations, en fait, des ponts avec le monde industriel, les petites, les moyennes entreprises, mais également avec les acteurs, les gestionnaires donc de l'eau, le secteur privé, les ONG, les associations. Et à travers ce type donc de rencontre, nous souhaitons créer ce réseau national. C'est un réseau qui va normalement regrouper les universités marocaines et également membres de ce projet, mais également donc d'autres universités. Associer également tous les acteurs, les différents donc ministères, les différentes associations et les différents donc gestionnaires, les agences. Nous avons donc la participation de l'agence donc du bassin hydraulique de Sourd, mais également d'autres agences seront donc associées à ce projet parce que il vise à une meilleure valorisation de nos activités de recherche et un développement donc de ce volet transfert de technologie dans le secteur, principalement dans le secteur. كان عنده واحد الحضور متميز، يعني بارتيسيباسيون ديال لي زيكسبير على شين انترناسيونال اي شين ناسيونال، مي ايغالمون دي زاكتور بوليتيك، مي دي زاكتور ايغالمون دو سوسيتي سيفيل. جو كخوا كيل يافي ان سارتان نومبر دونك دو ريكومونداسيون كي توش لانتيغراسيون دي بروسيسوس او دي ميثود انسيان دو جيستيون دي روسورس ان نو، يا دي زيكسبيريونس دو جيستيون ديال لي زوازيس. Il y a un certain nombre de recommandations et je crois que l'intérêt et également des objectifs du projet, c'est d'intégrer tous ces acteurs. Et comme c'est un réseau national qui normalement il va intégrer les universitaires, les sociétés, les associations, les acteurs, les associations qui ont un travail donc de terrain. Nous avons des expériences à travers l'Khtarat, à travers l'Ouahat, Dbir de l'Ouahat, je crois que ce type de rencontre, c'est un meilleur, en fait, il offre une meilleure possibilité à ces différents donc, acteurs de travailler ensemble et de construire des projets pour préserver et pour profiter des expériences qui ont été menées de par le passé et bien sûr
essayer également de profiter des nouvelles technologies. Donc, la stratégie, normalement, je crois que ça rentre également dans le cadre de la stratégie nationale donc, de l'eau. C'est, il y a un volet donc, de préservation, de préserver donc, les ressources qui existent, mais également de recherche à mieux améliorer la qualité des ressources dont on est disposant. On est tous conscients qu'il y a une problématique qui est à travers le déficit que nous avons, le déficit hydrique, mais je crois que tous les efforts et de telles actions, de ce type de projet va permettre effectivement de voir quelles sont les possibilités qu'offre l'université. Qu'offre cette interaction avec le monde, la société civile, avec les gestionnaires, pour permettre effectivement une meilleure préservation de cette ressource en eau pour nos enfants et pour la génération donc future. Mais quel est le rôle des médias ? Les rôles des médias, effectivement, c'est de valoriser davantage les actions qui existent. Oui, permettre également de mieux présenter les expériences qui ont réussi. De par exemple, le Maroc, nous avons des villes, nous avons un certain nombre de sites qui ont eu des expériences qui ont réussi, et voir comment on peut généraliser ces expériences qui ont réussi dans d'autres sites et faire connaître et mieux valoriser les actions qui sont entreprises par la société civile, mais également par l'université. Et cette interaction à tous les acteurs devrait permettre, à travers la présence des médias, à travers leur implication, va permettre effectivement de faire en sorte que le défi de préservation, de gestion, de management des ressources en eau, c'est un défi qui doit être porté par tous, et on doit tous travailler ensemble pour réussir et pour relever le défi. Nous avons avec nous Professeur Mustapha Jelly, doyen de la faculté des sciences et techniques FES et coordonnateur au niveau donc, de l'université Sidi Mohamed Abdallah du projet donc, Noria. Merci beaucoup. إذن أستاذي الفاضل يعني ما هو مجال تدخل الجهة في مثل هذه التظاهرات التي تنظمها جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس خصوصا أن الجهة لها يعني دور هام في مثل هذه المجالات؟ أولا بنشكركم على هذا اللقاء التدخل ديال جهة مكناس تفريلالت هي ضمن البرامج اللي عندها فيما يخص التصميم الجهوي لإعداد التراث، ثم تربطنا مع جامعة مولاي إسماعيل اتفاقية شراكة في المجالات اللي كتهتم بالتنمية الجهوية. ومع ذلك بغينا من خلال تواجد الجهة في هذا اللقاء الدولي حول تكنولوجيا فيما يخص الماء، وكتعرفوا بأن جهة مكناس تفريلالت المتواجدة في الأطلس المتوسط هي من بين الجهات اللي في هذا الميدان هي تعتبر بما يسمى بالفرنسية لشاتو دو ماروك. ومن خلال هذه فالأسبقية لكل التنمية كيف ما كانت هو الاعتناء بالماء، سواء الماء السطحي أو الجوفي أو حتى الماء اللي متلوث واللي تيخرج من القرى أو المدن، باش نصدركو هذا التلوث اللي كان جميع الجهات، ولا سيما احنا بغينا أن جهة مكناس تفريلالت هي جهة بيئية بامتياز نظرا للغابات اللي عندها، نظرا لأحواض المائية اللي فيها، التنوع الطبيعي وبغينا نحميو بلادنا كمغرب ككل بواسطة هذا العمل وهذا الارتباط بالبحث العلمي بالجامعة مولاي إسماعيل. شكرا سيدي الفضيل. Je pense que là où il y a l'université, et là on a très important à jouer, il y a un autre pour rien. Comment les mettre en opération, c'est là qu'il y a des chiens, mais là, puisqu'il y a des élèves, des théories, des exposés de Khalapa, des choses, une succession de la femme, soit les filles, voilà, quand tu viens la réalité pour. Je pense que l'université ne peut pas bien être le ministre de la Généralité.
et je vais rebondir aussi sur le loisir. Et les prévenus à l'échelle de la famille, ils n'ont pas passé les grandes écoles, le système de gestion de retard, le football, le canet, etc. C'est quoi le retard finalement, le retard à cette école? C'est une ingénierie topographique. C'est une ingénierie qui m'a parlé, je m'en rappelle, c'est nous, qui a été une gestion rationnelle, qui tient compte du climat, etc. etc., etc., etc. Donc on va débattre si vous voulez. Donc la droite, elle est de s'attraper le processus, il faut savoir, il faut l'améliorer et le porter à l'heure. Je pense qu'on a des choses extraordinaires, une zone asiatique, le savoir vient d'être, il faut valoriser davantage. Je parle de ce que tu as dit, il y a très important, qui me tient un peu à la scie, c'est-à-dire la société civile. Je pense que la société, je suis quelqu'un qui peut en parler au niveau qu'il y a des oasis. Et dans la société civile, malheureusement, il y a un manque de confiance entre la société civile et la nation qui est accessible à tous les citoyens. Si je prends comme le dit, vous plaît. Parce que la police est la guerre de l'échelle nationale. Il n'y a pas plus de 100% de la dimension loisir. Il n'y a pas plus de 10% de loisir. Et là, on a dit à toi, quand on a parlé à l'Union européenne, à l'UQF, à l'UQF, il vient de valider, on a dit qu'il faut faire la révision de la police de la guerre, et essayer de porter les réels du monde pour la proposer à la en tant que société civile de le gouvernement. Pour le professeur Chichara, qu'est-ce qui est chez lui, l'importance qu'il y a du suivant pour défendre la cause loisir. Et elle a été pour lui-même, mondialement, bien le système français, c'est un système qui a une importance malinaire. Où il y a une chaîne de justice, ça se fera à l'État. On va dire ici. Donc, et l'UNESCO fait ça, elle est l'UNESCO fait ça, la salle des loisirs sont les mêmes réserves de la région. Parmi le réseau international des établissements de le monde, qu'est-ce qui vient de vous pour faire un service et on peut le demander de faire un, on peut vous le montrer. Bien de vous, si le chemin qui est de choisir, ou l'échelle d'être choisir, et la pression nécessaire sur la ressource de l'eau, et l'échelle d'être choisir, elle dit, on ne peut pas faire en face. Donc, elle est aussi la femme, c'est pas bon pour le gars, elle a de la femme. Elle a de la femme, si tout le monde est concerné. J'espère que l'exercice n'est pas facile, on va le reconnaître.
parce que la gestion intégrée, c'est un domaine très très complexe qui réunit beaucoup de disciplines et qui normalement doit, c'est pour cela que j'invite l'université, parce que il y a des domaines non explorés maintenant jusqu'à présent dans le domaine de c'est les études sociales. Parce que si on ne connaît pas par exemple les dynamiques des agriculteurs, comment ils pensent, comment ils sociaux, etc., qui existent derrière l'exploitation de la ressource, on ne va jamais résoudre le problème de la ressource. Donc, ce que vous avez dit est à juste titre. Et donc, c'est d'ailleurs un chantier sur lequel on travaille. Et le Maroc, maintenant, s'inscrit dans la démarche régionale et internationale de gestion intégrée des ressources en eau. Cette culture de gestion intégrée à travers des contrats de nappe, par exemple, la nappe sur laquelle on se trouve, c'est une ressource structurelle qui va, elle, au niveau de la jeunesse, pour compenser le déficit de la nappe. Mais pas simplement la nappe, qui ne cesse de se tenir dans notre démarche pour un petit peu avoir une vision commune de gestion intégrée des ressources en eau. Nous sommes élus pour ça. Voilà, merci. Donc, ma deuxième question, I would like to address the side. We seek the opportunity of being here with one political member in the region. And what kind of support do you have asked this person to give you? And I would like you to focus more on the weaknesses. What are the weaknesses? What were the weaknesses in your approach and your methodology? And how you have overcome these difficulties along the process of consultation, integration, etc. Thank you very much. And the big things, I think that the first step that you have to do is to go on the local government, and then you have to raise awareness for them, and then they are putting money for all these projects. That is like a network. I do this activity, the other municipalities are saying you that you are doing some different construction action. Then they are going to start the action. It's like a network with the visibility, you know. Then the regional government is looking all the work that are covered. Then they are going to put money. Money? Yes, money, funds, yes. Minimal funding, you know, and going to put something. And then the ministry is going to put as well, a little bit. And then all together we can find solutions to public for a local project. I think that's the best important way to get funds right now, I think. But it's very important that the local administration raise awareness, and then they don't have a lot of funds, but they can put something, because the development is carried out in this area, you know, and then if you are there and if you are a local administrator, you want the development of your area, then they are carried out this project, this awareness. So but it's a very important point. Beyond defending issues, more important is the engagement of the stakeholders, especially. Yeah, and the stakeholders, private company as well, they have money, funding. And the collaboration between you really need the development of your area, and then you are telling that, you know. And then the local administration is a very way to talk about the problem with the regional administration. It's like a network and begin in the area, small area, and then it's visibility, they are making a very good network. Then all the problems, you know, the political things. Yeah. If you have some problem in an area, you have to solution it. In the environment, I don't know, it's so difficult right now with the crisis and everything. Anyway, I think that's an important point, is to make a very hard work with local administration, then regional, and then national. That you have to create this within your existing legislation. The usual model is it's in the cabinets. It's in the cabinets. But I'm not sure that the legislation permits that. Now, given that, research heads are not business heads. Okay? So a researcher's brand
necessarily work well in the commercial world. So once that technology or that project is developed, funded, established, it's ready to go to the market, you need to have business brains managing the transition from research to marketable technology. But these are just some basic things you need. I just observations and perhaps issues that need to be discussed this afternoon, because these are very practical issues. Okay? Maybe you can make a summary for people that don't speak. Okay. Moi, j'ai eu l'expérience qui a été présentée par la société d'Ancien sur l'expérience de Massa, qui a montré maintenant l'objet de ce projet, de plusieurs événements dans le cadre de transfert de technologie et de création de réseaux transfert. C'est vraiment trouver un développement entre les universités, ce qui se passe à l'université en termes de recherche appliquée et les entreprises. Donc le transfert est dans les deux sens. Voilà, le transfert de l'université à l'entreprise, mais dans les deux côtés. Un échange. C'est un échange. C'est un échange. Pas un transfert. Le problème qui est posé, c'est qu'il n'y a pas ce lien. On n'arrive pas à réunir les universités d'une part et les entreprises. Il n'y a pas ce lien. La difficulté pour nous, au niveau de l'université, on fait des recherches, vous avez mentionné énormément de sujets. Sachez que chaque université, il a ses priorités de recherche. Tout ce que vous avez mentionné, peut-être, vous avez trouvé au niveau de l'université, pour l'esprit, j'imagine, à le domaine de l'environnement. Mais sachez que le problème, c'est comment arriver à trouver un terrain d'entente entre université, administration et entreprise. Et d'ailleurs, notre collègue, lorsqu'il a présenté le cluster, il a démontré que le politique arrive en premier. Donc, moi, je vous pose la question. Peut-être que vous allez pouvoir me répondre dans la table. Quel est le rôle de politique? Vous avez mentionné un certain ensemble de recommandations de l'université, mais que fait le politicien dans les instances politiques, au Parlement, dans les conseils régionaux, dans les conseils provinciaux, si vous voulez? Quel est son apport? Je vous remercie d'assister, Fabien, qui a été salué par l'Agence du Bassin, les universités. Vous intéressez en tant que conseil aux différentes manifestations, mais ce n'est pas ça qui va jouer un rôle primordial dans ce rapprochement et donc aller c'est-à-dire créer un cap vers l'avant pour atteindre cet objectif d'innovation et de transfert technologique. Que fait le politique? Il y a deux niveaux. Il y a le top-down et le bottom-up. Qu'est-ce que vous faites en tant vers la sphère supérieure? Descendez en tant que décision politique, parce que c'est ça qui va cimenter cette relation. Il faut des lois, il faut des réglementations qui obligent. Le rôle des Espagnols, ils ne font ça, ils ne font pas ça pas pour le plaisir. Ils le font parce qu'il y a une réglementation, il y a des lois, il y a des motivations, chercheurs. Donc moi, je pose la question. C'est bien de chaque fois de dire l'université doit faire ce sens, doit faire de formation de recherche. Mais sachez que le chercheur est limité. Il est dans son laboratoire, il est public, il est limité dans ses approches. Moi, je vais vous demander de la situation. Ça, peut-être qu'on ne trouve pas maintenant, je suis désolé. Les experts marocains à vos réunions et quand vous avez des réunions de travail.
Au environnement du Centre national d'études de recherche sur l'eau de l'Université de Qadiaïa de Marrakech. Moi, je voudrais déborder sur la stratégie. Donc, c'est-à-dire que vous allez présenter la stratégie nationale, c'est une stratégie qui a été développée en 2008, si je comprends. C'est-à-dire, moi, je voudrais savoir quelles sont les réalisations par acte. Parce que vous n'avez pas, c'est une stratégie depuis 2008. C'est-à-dire, quelles sont les réalisations par acte. Est-ce que vous avez fait une évaluation? Parce que pas mal de stratégies, maintenant, par le ministère, on le ressort le plan vert, le plan rouge, les stratégies, mais au niveau de la population, je crois que quels sont le taux de réalisation, est-ce que vous avez en tant que relation et merci. L'université est très sensible à la problématique environnementale, qui est très publique, au cœur de l'action universitaire pour les recherches, mais également, quand je joue avec le rôle en fait, également d'acteur de la société civile, alors le résultat n'est pas bas, et je crois que c'est une approche qui est on ne peut pas saluer. Moi, je dirais que l'une des modèles, et ça, ça a été évoqué par le SLEC, moi, je vais vous dire, c'est que le Happy Cluster, il est ouvert, il est ouvert les acteurs au niveau de la société civile, parce que savoir enrichir et savoir le transfert de technologie, effectivement, on veut l'élargir, le transfert de lui-même, on veut l'élargir à tous les. L'université, l'entreprise, la société, à travers les associations, à travers tous les acteurs sont invités. Je crois que c'est l'un des objectifs de la table ronde qui va avoir lieu cet après-midi, c'est effectivement permettre une ouverture et permettre une bonne implication et également davantage de projets. Alors, je sais que dans le cadre de plusieurs actions qui ont été lancées au niveau donc national, qui ont permis aux universitaires, par exemple des initiatives de développement humain, par des actions qui ont fait appel à des fonds européens, ça a donné lieu qu'on universitaire ou la société civile, ou le secteur de l'acteur privé, les politiciens, on a toutes les clés de la réussite, c'est l'association qui a mis en place ça. Nous ne pouvons que féliciter la présence d'un acteur politique. Et en fait, toute la stratégie régionale passe par un gestionnaire. Parce que vous avez, on ne fait pas qu'un politique dans le mais on est gestionnaire. Ça, c'est autre chose. C'est on va le dire sur ce domaine. Donc, je ne peut-être pas bien invité, mais il y a un certain nombre de recommandations. Il y a un certain nombre, on attend un certain nombre de réponses au niveau des réalisations, au niveau de la stratégie nationale de l'eau, donc l'agence sera avec nous jusqu'à la fin. Le représentant du conseil régional a été également interpellé, donc je crois que nous avons. Oui, nous, en tant que chercheurs universitaires, on est également interpellés. On est interpellés sur la raison d'être de notre activité de recherche et la possibilité en fait, d'aller au-delà de nos résultats de recherche de publication, mais d'aller au cœur de notre société. Au niveau de la société civile, au niveau donc des entreprises, au niveau. Donc je crois que le débat, il ne fait qu'à démarrer. Je crois qu'on aura la fin de la journée, on aura la possibilité de conclure à travers en dégageant des recommandations. Donc encore une fois, juste pour terminer, je tiens à remercier la présidence de l'université Mouley-Ismaï pour avoir donc coordonné ou organisé avec une manière vraiment professionnelle. Je remercie donc toute l'équipe. Madame Diarra, Sondé, le président de l'université, et également le centre de la santé, très très impliqué dans ce projet, dans le lieu, et ce sont également des clés de réussite de ce projet. Et on les remercie beaucoup pour l'accueil. Pour le travail de préparation qui a été donc là, pour leur engagement, et on le sait, c'est une équipe très dynamique et qui a permis au projet Noria en fait, d'avoir beaucoup de réalisations. Encore une fois, je remercie tous les intervenants et tous les collègues qui ont engagé le débat très fructueux. Et on va une chute à la.
الوليد القديم ديال الدوزام صافي راه صافي نروحو حتى لهم Thank you.